Je me balade dans cette partie où je suis en New Game plus 10. Donc là j'ai fait la fin, j'avais le choix entre la fin du Corpophage et la fin du Masque d'Or. J'ai choisi celle du Corpophage. Alors faudrait que je fasse attention parce que malheureusement je n'ai plus de PS Plus, ce qui me fait un petit peu peur avant d'éventuellement lancer un New Game plus 11. Je n'ai plus de PS Plus et que du coup je ne pourrais pas faire la quête de Barry pour éventuellement avoir le spot de farm. Mais là dans mon délire là, j'ai trouvé un bon petit truc là qui me plaît beaucoup. Donc le set de Gelmir avec le pavois dorure stylé et surtout une épée droite, celle de chevalier de Mikela, qui est une weapon art très intéressante hein, en sacré, avec le talisman sacré pour faire plus de dégâts sacrés. Par contre, je prends plus de dégâts. Talisman de la tortue, le grand classique hein, pour récupérer l'endurance plus vite. Alexander pour faire plus de dégâts de cendres de guerre hein. Et l'emblème de Caria pour que ça consomme moins de mana. Voilà, donc c'est ça la cendre de guerre là, la lame sacrée, c'est stylé, ça va relativement loin et surtout ça fait mal. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué épée droite et finalement c'est, enfin c'est pas finalement, c'est pas mal, sans surprise c'est pas mal. Là c'est l'orée, hein, ouais. Là c'est l'orée, ouais. Là c'est l'orée. Je sais pas trop où aller, je pense que Nécrolimbe. Ouais, Fort 8, tout ça c'est fait. Alors, j'aimerais juste peut-être aller à la Siofra. Ouais, non, je l'ai fait. C'est bon, j'ai la réponse à ma question. Ok, donc en fait, il faudrait que j'aille plus par là, en fait. Ça, la musique s'est arrêtée, ouais. Alors j'avoue, j'aimerais faire un petit tour au Vallotombe. Ouais, j'ai fait quelques cavernes que j'avais pas faites. Mais là, j'avoue que j'aimerais bien faire un tour dans le sud, en fait. Dans le sud, là, tout ça, là. Donc là, tout ça c'est fait, pas de problème. Par contre, pour atterrir ici, j'avoue, j'ai oublié comment on faisait. Là, il y a l'église des pèlerins, mais je pense pas qu'on y a accès. Et là. Ouais. Je sais plus comment on retourne là. Là. Faudrait que j'y aille. Donc là j'ai tout fait, hein. J'ai fait tous les boss sauf Fortissax évidemment, hein, parce que pour faire Fortissax il faut faire la quête de Fia. Je serais bien tenté de lancer un New Game plus 11, mais vraiment, comme j'ai dit, ce qui me freine c'est le fait que j'ai pas d'online et j'ai franchement pas envie de payer. Parce que là, par exemple, si je veux farmer en boucle. Si je veux farmer en boucle, ben je le peux, parce que j'ai accès au palais de Mogwin. Hein. Donc voilà quoi. Donc là, ce convoi-là, ouais, putain, à dire que je galère, putain, c'est de ouf quand même. Là maintenant, c'est easy, hein. C'est easy, easy, easy. Ce qu'il faudrait que je teste, c'est
justement avec ce bouclier là. Parce que là, un si gros bouclier, là évidemment c'est des ennemis du début donc. Là forcément ouais hein, c'est faible mais faudrait que je teste faudrait que je dégage aussi tous les carreaux ouais. Ça à chaque fois j'ai ce message là ouais, ils sont enchaînés ils sont beaucoup moins menaçants, ils ont pas tous leurs patterns. Relais en ruine, oui c'est là où il y a Selene, je sais pas si elle y est encore d'ailleurs. Ah oui, putain j'avais pas vu que c'était. Ouais ça par contre le cendre de guerre comme ça là, à distance comme ça, c'est magnifique. Hein. C'est très extrêmement pratique. Hein. Elle est où Selene déjà? Je pense que je vais devoir lui tuer lui. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver une épée droite, hein, une simple épée droite. Hein, si je veux, au pire, hein, je peux me TP à Selene. Mais bon, là, je pense pas que je pourrais faire sa quête. Ça pourrait être une bonne idée hein, d'essayer de faire sa quête, mais je pense pas que ce soit possible, vu que j'ai fini le jeu, j'ai tué Marika, Radagon, la bête d'Elden. C'est bon quoi, là je peux lancer le New Game Plus 11 quand je veux. Donc là ça m'étonnerait que je puisse faire sa quête. Mais là j'aimerais juste voir si elle est là, si je trouve l'entrée, hein, parce que là je tourne méchamment en rond là. Est juste là, c'est dingue. Hein. Ouais. Bon, après, évidemment, c'est pas dans ces zones-là que j'aurai un minimum de challenge, mais. There you are. My apprentice, we commence the lesson. Ouais, parce que là, elle veut m'apprendre des trucs que j'ai déjà, évidemment. Tu vois, il y a des magies que j'ai 4 fois, même celle-ci, je l'ai 4 fois, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Bon. Et il y avait. Son véritable corps qui est ici. Après, je peux toujours faire. Je peux toujours commencer un new game. Un new game neutre, hein, mais bon. Est-ce que j'aurai vraiment la force, la foi, l'envie de tout refaire, tu vois? Ça m'étonnerait hein, quand même, faut pas déconner hein, parce que c'est quand même excessivement long et...
vois, j'ai même pas ouvert. J'ai même pas arrêté. Faudrait que je fasse sa quête quand même entièrement, parce que c'est quand même une magicienne et je sais pas, je l'aime bien. J'aime bien Selene. C'était où? C'était ici. Ouais, bon. C'est triant pour parler. Non, je propose toujours pas de parler. Ouais. Bon, je pense que c'est foutu. Je pense que c'est futu. C'est futu. C'est complètement futu. Faudrait que j'essaye de voir si je mets le. Ah, chevalier de Godric, j'ai pas le. Ça c'est dommage, j'ai pas le torse du chevalier de Godric. J'ai tout. Mais pas le torse. Et les jambes non plus, ouais. Voilà, c'est pour ça que je l'ai jamais mis. Parce que j'ai pas en fait. J'ai pas tout. Ouais. Galère au tout début du jeu, quand on arrive ici, waouh, c'est vraiment chaud quoi. Je pense pas avoir activé le site de grâce ici. Si, je l'ai activé. Le dragon, ouais, j'ai dû le faire, le dragon. Quand même. Ah ouais. Fameux moustique. Cendre de guerre dégainée, pourquoi j'ai un doute? J'ai l'impression que je ne l'avais pas. Pourquoi j'ai ce méchant doute là? Pourquoi j'ai méchamment ce doute que je ne l'avais pas? Non, j'ai pas pris de katana là avec moi. Si, je l'avais, ouais. C'est bon. J'ai eu peur de moi-même là. Tout ça là, ouais, rune calcinée par un dragon. Une galerie de nécrolampe. Allons vers là-bas.
Ouais. Ça vous va, ça? Ok. C'est bon. C'est quand même un sacré bordel, hein, ici. Ah ouais, c'est quand même un sacré bordel, hein. Dragon, est-ce que je l'avais tué? Je vais le savoir tout de suite. Oui, je l'avais tué, puisqu'il atterrit là, précisément. Alors, premièrement, est-ce que la galerie de Nécrolimbe... La galerie de Nécrolimbe... Évidemment, c'est une galerie que j'ai déjà faite, mais il se peut que je l'ai fait qu'une seule fois. Ah, tu vois, là, ici, il y a des disques Trina. Ça, c'est bien, ça. Pour crafter des pots, des flèches et des arbalètes qui endorment. Ouais, en tout cas, cette épée droite me plaît énormément. C'est très bien. Elle est excellente. Elle est excellentissime. Voilà, c'est pratique, ça touche à distance. C'est très bien. Mais dans ma folie, là, j'ai encore envie de changer. Je vais mettre. Ça, ouais, à un moment donné, je jouais en mode servante itinérante. Ouais, là, je mets du léger pour mettre les dégâts. Servante itinérante, donc qui dit légèreté dit ça. Là, je suis en charge moyenne, alors attends, faut que je mette ça, ok, pour être en charge légère. J'ai envie de changer complètement. Je suis fou, hein. Arbalète, appui, d'un crépus, je n'ai pas mis, c'est à quoi lui? Sa très longue portée, d'accord. Il vise au loin, très bien. Très bien, il vise au loin, lui. C'est bon à savoir. Ok. Je vais mettre quoi, alors? J'ai envie de rester sur une arme légère. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas, après tout... Sinon, non, je vais rester sur une épée droite. Je vais rester sur une épée droite, ok? Alors, on va mettre de l'endurance, et ici, on va mettre quoi, ici? On va... Qu'est-ce que l'on va pouvoir bien mettre? Il y a le choix, hein. Ça, je peux mettre moins de dégâts, ouais... Ouais, il y a le choix. Je sais pas trop. Quand le PV sont au maximum, ça fait non. Quand les PV sont au maximum, ouais. Comme ça, ça fait plus de dégâts. Là, ici, j'ai mis l'entaille tournoyante, histoire de... Avec un petit paquet. Je sais pas, là je suis en impro total. Et ah oui, et en arbalète, il faut quoi en arbalète? En carreau, je veux dire.
En carreau, on va mettre des carreaux. Ouais, vas-y, on va pour du carreau enflammé. Va pour du carreau enflammé. Voilà. Et du carreau explosif. Attends, j'ai fait quoi? Voilà. Est-ce qu'il est chargé? Non. Voilà. Là, oui. Ah, là, je suis en impro total. Là, ça n'a aucun sens, là, ce que je fais, là. Indique mal. En plus, eux, ils sont. C'est vrai que le jeu indique mal parce que L2, c'est pour faire c'est pour faire l'attaque puissante là. Mais là, je peux pas. Alors, pourquoi pas, mais pas là, pas contre eux. Pas contre eux. Surtout l'ennemi de la zone, je ne sais plus c'est qui. Parce que d'autres, ça oui, ça peut bien marcher, mais là pas contre eux. Pas contre eux. C'est un mélange un peu improbable que je fais là, qui est complètement improvisé. Je crois que pour le boss, je vais remettre mon truc parce que là il y a des chiens. Ouais, elle est chargée, c'est bon. Celui-là où il y avait 50 murs invisibles, non? Ouais, la robe itinérante ne me plaît plus. À un moment donné, je kiffais ce truc-là. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que c'était. Ouais, il y a l'astrologue, il y a. Non, pas le. Comment il s'appelle, le confesseur, là. Sinon, ouais, il y avait le consort, ouais, le consort. Le consort, j'aime bien le consort, c'est classe. Consort, voilà. Consort, c'est stylé, j'aime bien. Fallait remonter, ouais, je sais plus du tout par où fallait passer. Hein. En charge légère, ouais, évidemment. Évidemment. Il n'y avait rien ici, non? Non? Bon.
qu'il y avait vraiment rien ici. Ouais, l'arbalète, j'ai déjà testé dans le jeu, c'est pas terrible terrible. Hein. C'est pas terrible terrible l'arbalète, je pense que c'était par là, je crois. C'est pas terrible terrible. Hein. Ça fait pas des dégâts énormes, c'est pas hyper précis. Faut la recharger, faut penser à la recharger à chaque fois. Donc là. Voilà, c'est l'explosif, ok. Donc voilà, je me disais bien que. Comme il est de face, c'est mort. C'était ça qui donnait accès au raccourci là. C'est pas là qu'il y avait un bête de raccourci là. Non, c'était pas ici. Alors qui que ce soit le boss, je vais remettre ce que j'avais juste avant. Ouais. L'épée de Michaela, le bouclier. C'était celui-là. Voilà, le 7 à la rigueur, je peux le garder, mais bon, non, je vais le mettre. On va pousser jusqu'au bout. C'était Kelmir, ok, qui est stylé, hein, comme cette d'armure. Ouais, il y a les Oslo aussi, c'est pas mal. Hein. Les Oslo aussi, c'est stylé, les Oslo. Les Oslo, c'est stylé, regarde. Les Oslo, là, celui-là, là. Voilà, Oslo. Voilà, Oslo. Oslo, ok. On remet l'arc. Bon, même si là j'en aurais pas besoin pour le boss. Et donc là, on met ça. Ici, on met Caria. Ici, on met Alexander. Et ici, on met les dégâts sacrés. Voilà, ouais, c'est très bien ça. Voilà, la tenue des Oslo aussi, elle est pas mal. Ouais, là j'en vois aucun, je m'en fous, hein, j'en vois aucun. Ah, c'est le troll, ouais. J'en vois aucun. Oh les gars, ah, j'ai plus assez de MP. Sa peau dure, quoi. C'est qui donne le médaillon de cri. Hein. Alors, Oslo, en fait, vu que c'est du fouet, en fait, je le combinais avec avec le double fouet, là. C'était complètement stylé. C'était stylé. Stylé. Moi, je la trouve vachement stylée, cette armure. Couleur là pour le bouclier, il doit y avoir mieux. Peut-être le coucou.
Ouais, ça colle un peu mieux le coup. Ça colle un peu mieux, tu vois. Et le gris sur le gris, quoi, tu vois. Et elle, l'épée, elle colle avec tout. Elle est tellement stylée, l'épée, elle colle avec tout. Mais sinon, les Oslo, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment une dinguerie. Hein. C'était les fouets. En fait, je prenais les fouets. Les fouets. Je prenais un. Alors, c'était lequel que je mettais en main droite, c'était lui, ok, et lui je le mettais en main gauche, ok, ouais c'était comme ça, voilà, et en fait, et pour faire le weapon art, voilà, je faisais ça, voilà, ouais, et ça marche, du tonnerre, tu mets comment on appelle ça. Ah, merde, les saignements, voilà, tu mets les saignements et t'es bien. Voilà, et là, hop, à mi-distance. Franchement, c'est stylé, grave. Oh, putain, il m'a fait peur. Franchement, il m'a fait peur. Franchement, c'est trop stylé, cette combinaison-là. Et dès que t'es à distance... Dès que je suis à distance, je fais l'éclair. Donc avec celui de droite, là, hop. Boum. Tu vois, ça fait grave des dégâts. Ça fait des dégâts de zone si les ennemis sont regroupés. Et l'attaque R2, elle va chercher loin quand même. Je sais pas si je peux la charger. Ah si, je peux la charger. Ouais. Ouais, ça aussi, cette combinaison-là, je m'étais amusé de ouf sur ça. Ouais, Elden Ring. Quel sacré jeu quand même. Quel sacré foutu jeu de merde. C'est ironique, hein, bien sûr. Tu vois là. Hop là. Allez, ne bouge pas s'il te plaît. Reste là où t'es. Voilà, c'est parfait pour... lui aussi, il est un peu trop loin, je sais pas ce qui se passe, boum, la foudre, allez, bim. Ici c'est traître parce qu'il y a des chiens en plus. En fait, à force de taper comme ça, ça proc le saignement en fait. Ce que j'ai mis. D'ailleurs, j'ai mis quoi sur le premier déjà? Oui, bah oui, je lui ai mis l'éclair et sur le deuxième, je lui ai mis le saignement. Donc, à force de taper, bah, ça proc le saignement en fait. Si jamais le combat dure trop longtemps, il proc le saignement. Et oui, ça marche même sous terre. L'attaque forte, elle est grave puissante. Hein. C'est stylé. C'est complètement stylé, c'est stylé. Voilà, et c'est là le fameux piège qui amène à Kaelid, que je me suis mangé dès le début du jeu. C'était trop dur. D'ailleurs, même cette grotte cristalline vers laquelle on est propulsé, même là aujourd'hui, elle est toujours aussi dure, hein, parce que t'as les cafards là qui se tortillent de partout là, qui bougent de partout, qui sont super chiants là. Bon là, je connais le chemin, mais c'est vrai que là, ils sont très très chiants ici. Ah, les pierres gravitationnelles, ouais, c'est vrai, ces trucs-là aussi. Pff.
Laisse tomber ce jeu. Laisse tomber. Ouais, il y a les faux chars aussi, tu vois. Là, j'ai commencé, j'ai pris la faux mortuaire. Faudrait que j'utilise aussi ça. Faudrait que j'utilise. Le mec, il a 400. Combien d'heures de jeu? Combien? Ouais, 400 heures de jeu. Il y a encore des choses que j'estime qu'il faudrait que je teste, quoi. Voilà, on en est là. Eldorange. Allez, Gelmir. Gelmir. Le sacré. Ouais. Là, il faut aller directement au... comment on appelle ça, au site de grâce, parce que voilà, tu vois, là, la tête chercheuse là, c'est très puissant, ça va chercher loin. Ce truc là, il rigole. Ah, là. Voilà, là je me ressource quand même. Et là, là, c'est nettement plus compliqué. Voilà. Alors, cette grotte-là... il faudrait que je me rappelle comment on atterrit. C'est vrai, j'ai pas utilisé d'arc runique depuis tout à l'heure. Ouais, j'en ai un. J'ai dû mettre celle de... Ouais, j'ai mis celle de... Celle de Godric. En fait, ce qui est casse-couille ici, c'est les cafards, en fait. Qui sont en hauteur. Tu vois, eux aussi, ils bloquent. Ah ouais, 400, putain. Ouais, tu vois, ça qui bloque. Oh, putain. Ah, il est parti me chercher le sol. Tant mieux qu'ils soient descendus. Parce qu'en fait, si eux ils restent en hauteur, ils sont. Ouais, je savais que là le décor il allait me gêner. C'est que ça touche. J'ai cette attaque, elle est archi puissante, hein, de ouf. Hein. C'est ça qui rend ouf. Une fois qu'ils sont morts, c'est bon. Après, c'est juste se rappeler c'était par où qu'il faut passer, putain. Ici, j'oublie toujours, ici. Le fait qu'il permette de débloquer le raccourci, là, ici, l'échelle, ici. J'oublie toujours par où il faut passer, je crois que c'est par là, je crois.
défoncé. Ah, il m'a défoncé. J'ai plus de ressources. Ouais, bon, c'est évidemment, c'est parce que j'ai oublié tout ça. Je n'ai plus les réflexes. En ce moment, je suis en train de jouer à Demon's Souls Remake, et plus je joue à Demon's Souls, plus j'ai envie de jouer à Elden Ring, quoi, en fait. C'est pour ça que là, je l'ai ressorti, hein, parce que Demon's Souls Remake, franchement... voilà, quoi, il n'est pas si bon que ça, le jeu. Ah, super. Voilà. Et franchement, je vais au boss direct, hein. Quoique, non, je vais peut-être me ressourcer, quoi. Non, allez, j'y vais, je sais plus du tout c'est quel boss. Je sais qu'ici il y avait un talisman important à récupérer, je crois que c'était le talisman qui augmente les dégâts. Un talisman important là. Le talisman, je crois qu'il renforce les magies de qui renforce la foi. Et là, il y a le boss. Et je crois que c'est la bête stellaire, je crois. Je crois que c'est la bête stellaire. Hein. Le boss d'ici, on peut le voir là, d'ici là, non? En tout cas, j'ai plus de quoi me guérir. Quel jeu. Ouais, c'est la bête stellaire, ouais. Créature stellaire. Ouais, ici, c'était dur, hein. Ici, vraiment. Mais à cheval, enfin en tout cas on peut utiliser le cheval. C'est vraiment que j'ai plus de quoi me guérir. Surtout que là je les ai tous défoncés. Hein. Ah ouais, on trouve aussi une paire de perles mineures, ouais. Et là, comme on est dans Kaelid, donc forcément, c'est nettement plus compliqué, hein, quand on est ici. Ouais, Kaelid, voilà, cette fameuse zone qui en a traumatisé plus d'un, dont moi. Voilà. Où je me perdais, je savais pas par où fallait passer, comment y aller, à cheval, pas à cheval, ouais. Et il y a un site de grâce là, pas loin là. Oh, mince. Ah, c'est ici que je cherche sauvage, ah ouais. De toute façon, là ici, il y a des choses très importantes, hein, ici à Kaelid. Si le chien m'a suivi, ouais, il m'a suivi. Ah, il meurt même pas, tu vois. C'est dire. Allez, merci, au revoir. Ouais, là, Kaelid, là, c'est un autre délire. Faites un crochet par la cabane après la porte sud. Ouais, là, il m'envoie chez le vieux pour faire la quête de Millicent. Ouais. Ouais. Donc c'est ici qu'on a le chien putréfié. Ouais. Ce serait bien que je note, hein, vraiment toutes ces choses-là, si au cas où le délire me prend de refaire un new game, hein, ce qui est pas impossible, hein, parce que à partir du moment où, si l'on en croit les internets, il y aurait la
rumeur insistante d'un DLC. S'il y a un DLC, on va voir. Hein. Est-ce que je continuerai en New Game Plus ou est-ce que j'aurai envie de faire un New Game, tu vois? That is the question. Puissant en même temps, j'ai 99 en foi. Et là, ici, quelque part ici, il y a le bâton météorique qui permet de faire, qui augmente les dégâts de magie météorique. Il est quelque part dans ces ruines là, qui sont évidemment super dures. Là, il y avait la fronde, ok, voilà, donc ça c'est la fameuse magie fronde. Et pas loin, il y a le bâton. Il y a le bâton qui traîne quelque part. Ici, c'est la guerre, mon frère. La putréfaction écarlate, là, ils font tous de la putréfaction et du poison. Voilà, eux, ils balancent du poison, là, voilà. Ici c'est la jungle, hein, ici. Ici ça ne rigole pas. Ah, t'as vu? Après j'y arriverai mieux à pied. Ça là, ça les one shot. Et en plus, comme le truc il est lent, c'est comme l'attaque de Fang dans. Ah ouais, ah oui, mais il y a la putréfaction aussi au sol. Ouais, c'est chiant. Là j'ai poison et putréfaction, tu vois. Ah non, pas ça. Sang froid, on a dit. Oh, putain, pression. Sang froid que dalle, ouais, la pression. Qu'est-ce qu'on avait de bon là sur la map? Allez, les ruines là, j'y suis. Ils réapparaissent, les salauds. Voilà, il est là le bâton. Bon, je l'avais, hein, évidemment. Un bâton qu'on ne peut pas améliorer d'ailleurs. Un bâton. On ne peut pas améliorer. Ouais, il y a les geysers là qui font des dégâts de ouf. En tout cas, le cheval là, Torrent là, il est vraiment craqué ce cheval là parce qu'il ne craint pas. Il ne craint pas en fait. Comment on appelle ça, la putréfaction. Alors, ruine de marais d'ivoire.
Et là, il y a comment il s'appelle? Il y a Neylan. Quelque part, il y a Neil. Commandant Neil. Esquiver ça. Ouais. Alors déjà, ouais, si le cheval il se retire, c'est dire que j'ai soit une invasion. Millicent, sérieusement? Millicent, elle envahit? Putain, alors là, ah, je m'y attendais pas du tout. Alors là, franchement, Millicent. D'accord. Donc quand on ne fait pas sa quête, parce que Aouk, je ne suis jamais allé la voir. Stylé cette attaque. Et en plus, j'ai jamais eu leur lance. J'ai eu leur épée là, qui est plus un fleuret là. J'ai jamais eu leur lance. Voilà, il est là, le site de grâce, il est là. Le site de grâce il est là et on est juste à côté. Donc Millicent, si on ne fait pas sa quête, on se fait. Elle nous envahit. D'accord? Ok. D'accord. Et O'Neill, il est ici. Voilà. Oh putain, mais non, vas-y. Bien joué, hein, en tout cas. Hein. Franchement, bien joué. Hein. Non, dernier site de grâce. Alors là, franchement, là, je me suis mangé une bonne branlée, là. Je m'attendais pas du tout à tout ça. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à tout ça. 400 heures de jeu, là, et je suis encore en train d'être surpris par certaines choses. Voilà, c'est Elden Ring. C'est Elden Ring. Alors, je vais juste changer ça par la congélation. Non, c'est pas ça. Oui, glace. Ok. Je peux le faire à cheval, hein, comme ça.
déjà. Ah merde. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Ok. Il invoquait ses potes. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'étais, je les avais pas en visu. À dire, tu en rigoles absolument pas. Je vais pas te taunter, je vais pas te troller là. Mais tu m'as bien fait la misère. Ouais, j'ai l'aiguille d'or qui justement me servait à sauver Millicent. D'accord, bon, bah, comme quoi on en apprend tous les jours. Bon, bah, voilà. Incroyable.